Excellence, monsieur le maire, chers experts, monsieur le directeur général du Centre national de l'orientation de la gestion publique, monsieur le conseiller spécial du ministère de l'Éducation nationale, chers consultants, honorable assistance, en bon nom et bon rang et qualité respective, assalamu alaikum. Assalam. Tout d'abord, permettez-moi de remercier par avance monsieur le maire de la commune de Moussaoudou pour avoir accepté de recevoir cette réunion dans ses locaux, ce qui fait gage d'une adhésion indéfectible de la commune de monsieur le maire à cette noble mission. Ce soir, cet après-midi, je vais pas tenir trop long la parole, mais je suis là pour présenter le maître de cérémonie. Et nous allons essayer de faire en sorte que la réunion ne sera pas trop longue. Déjà, on est en après-midi, il y a la fatigue. Nos amis, nos experts sont venus de loin. Ils ont été éprouvés par le voyage et on ne va pas encore les éprouver par de longues proportions et de longues réunions. Notre programme de cet après-midi va être très bref. Nous aurons, comme à l'accoutumée, la Fatiha pour ouvrir la cérémonie. Et nous aurons par la suite les mots de ce excellent monsieur le maire. Nous aurons ensuite la prise de parole du directeur général du CNRS pour nous présenter les actions qui sont là. Et nous aurons après la prise de parole du professeur Hachim qui va nous parler un peu de l'historique de cette ville, cette médina, cette belle médina. Nous aurons par la suite la prise de parole d'une représentante de la société civile, ici présente, notre employée. Et nous aurons ensuite la prise de parole du chef de mission, qui vient de notre expert, M. Massimo. Et nous terminerons par un petit mot de M. le porteur régional, M. Félix, on nous entendra, celui qui a le mieux. Et nous terminerons par la Fatiha, comme on commencera par la Fatiha, nous finirons par la Fatiha, Inch'Allah. Et si nous n'allons pas prendre le temps, nous allons entrer dans le vif de la réunion. Et encore une fois, nous remercions pour votre présence. Votre présence ici, ça fait que la réunion peut avoir lieu. Et si vous n'étiez pas venu, on n'aurait pas raison d'être dans la réunion. Merci encore une fois. Je vais demander à Stan de nous donner la parole. Nous allons appeler l'excellence monsieur le maire de nous donner ses mots de bienvenue. Merci beaucoup. Mesdames les représentants des collectivités locales, messieurs le directeur général du CNDRS, messieurs
le directeur régional du CNRS en juin, messieurs les représentants de l'ICOMOS, chers honorables invités, madame Rika Simone et messieurs De Marco Louza ou Luza. Monsieur Simone et madame. Désolé. Représentant, représentant l'UNESCO. Merci. Madame Fatima Boyer, présidente du collectif du patrimoine. Mesdames et messieurs les notables de la ville de Moutamoudou, historiens, représentants des associations, Nam Karibu Nzuaniatou, Cameroun. La Tatou. Vous avez oublié le ministère, Le ministère de l'Éducation nationale. Désolé. Il n'y a pas de souci. C'est un immense honneur d'exprimer en retour ma reconnaissance et vous assure de mon total soutien dans le difficile et long combat. C'est pas grave. Je sais que vous avez déjà un aperçu de la richesse du patrimoine de notre ville avec la première visite de repérage de la médina que vous avez réalisée ce matin. Vous aurez l'occasion dès demain de découvrir plus en détail les principaux vestiges encore debout du Loujoumbé et ses annexes, le plus ancien minaret. Vous visiterez également d'autres sites de notre île à Bambao et à Domodo. Dans ce parcours qui vous conduira jusqu'à la Grande Comore, vous constaterez que ici avec force que l'inscription de nos sultanats au patrimoine mondial de l'UNESCO ne dépend que de nous. J'en appelle donc à la mobilisation de tous, à commencer par le gouvernement de l'Union des Comores, dont l'engagement est déterminant pour réussir ce pari. C'est lui qui a la force législative et les moyens politiques d'agir pour répondre aux conditionnalités de l'UNESCO. J'en appelle également à mes collègues pour que nos communes s'emparent de ce dossier sur le terrain et prennent toutes les décisions concrètes pour protéger les sites qu'elles abritent sur leur territoire. Je sais par expérience les difficultés à faire respecter de telles mesures, souvent contraignantes. Mais si nous avons fait le choix de sauvegarder la mémoire de notre histoire et de préserver notre identité, alors nous devons tout faire pour y parvenir. J'attends donc de cette mission un inventaire des mesures à prendre dans chaque localité concernée et une programmation concrète pour que nous soyons au rendez-vous. Je vous remercie. Je vous remercie encore, Monsieur le maire, pour l'excellent propos qui est tenu. Les mots ont été saisissants et ont été suffisants pour une sensibilisation collective pour la cause de cette mission. Nous allons continuer, nous l'avons présenté par la prise de parole du directeur national du Centre national de documentation et de scientifique. Dr. Tori. Monsieur le maire, monsieur le conseiller spécial du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, monsieur le directeur régional de la culture, monsieur le directeur régional du Centre national de documentation et de recherche scientifique, madame la présidente du collectif du patrimoine des Comores, madame Luisa, experte internationale UNESCO, Tropito du Comos, monsieur Simon, expert international du Comos, monsieur les experts nationaux ici présents, chers journalistes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec un réel plaisir
que je voudrais m'adresser devant vous pour vous exprimer nos sincères remerciements de cet accueil qui nous a été réservé aujourd'hui. La présence ici parmi vous est pour nous un honneur, une reconnaissance. Nous avons été assignés à une responsabilité, celle de la préservation, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine national. Depuis plus de décennies, les associations culturelles, en l'occurrence le collectif du patrimoine des Comores, le gardien du patrimoine des Comores, les jeunes du patrimoine des Comores, aussi bien que ceux qui sont à la Grande Comore, en concours ou en symbiose avec le gouvernement, se sont assignés la responsabilité de vouloir présenter ce dossier, notamment les sultanats des Comores, sur la liste du patrimoine mondial. Dans ce sens-là, je laisserai ma marraine, Madame Fatima Baye, à vous exprimer en long et en large toute la démarche qui a été entreprise jusqu'à aujourd'hui. L'Union des Comores a entamé la préparation d'un dossier de proposition d'inscription des sultanats historiques des Comores pour inscription sur la liste du patrimoine mondial. C'est pourquoi, dans le cadre de la priorité globale Afrique, projet de stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique 2022-2029 et des projets financés par les gouvernements français et omanais, l'objet de nos experts ici aux Comores est celle de nous accompagner à soutenir l'État comorien dans le processus et programme d'une assistance technique avec implication d'ICOMOS et une mission internationale composée d'experts du patrimoine mondial pour mener une étude de faisabilité de la proposition d'inscription des sultanats des Comores au patrimoine mondial. Il va également s'agir de réaliser des visites de terrain sur place, ainsi que des réunions officielles dont aujourd'hui Moussa Moudou a bien voulu être la première localité à nous accueillir. Nous vous remercions profondément. Il va aussi s'agir d'établir des consultations avec les parties prenantes nationales, locales et impliquées en juin et à la Grande Comore toutes les bonnes initiatives pour mener à bien cette mission. Il va aussi s'agir de travailler avec les experts nationaux et internationaux qui sont devant vous et même ceux qui vont nous accompagner à partir de la fin de cette semaine pour travailler ensemble en symbiose. Cette mission aura lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'au 9 juin et sera composée de nous tous, de vous tous, de chacun de nous. Et si vous me permettez, je réitérerai l'adage, ou sinon l'axiome de Hugues de Varine qui disait en ces termes, je cite, « Celui qui ignore son passé vit le présent des autres et par conséquent n'a plus d'avenir. » Mesdames et messieurs, honorable assistance, c'est une occasion en or dont, si vous me permettez, je dirais pour la première fois depuis 2007 que
Les Comores ont inscrit ces biens sur la liste indicative de l'UNESCO que nous venons aujourd'hui d'avoir l'opportunité d'accueillir des experts d'ICOMOS et de l'UNESCO devant nous. Cette mission nous concerne tous, comité scientifique, gestionnaire des sites, préfet, maire, chef traditionnel, chef religieux, autrement dit, c'est une affaire de tous et de toutes. Ainsi, au nom du gouvernement comorien, et plus particulièrement du Saint-Dérès, dont j'ai la responsabilité de travailler avec vous vers la voie de la préservation, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine national, je vous remercie de votre présence et de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Nous allons poursuivre notre programme. Et je vais appeler le doyen, le professeur Stanley Chim, l'un des grands généalogistes de cette ville, un des grands historiens de cette ville, sinon un des grands historiens du Japon. Professeur. Excellences, Monsieur Zarouki Bouchouane, le maire de la commune de Moutsamiti, honorables experts de l'UNESCO, ICOMOS et nationaux, Monsieur le directeur national du Saint-Dérès des Comores, Docteur Tawilou, Monsieur le conseiller du ministre de l'Éducation, Monsieur le coordinateur de la Commission nationale de l'UNESCO, honorables invités, messieurs et madame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon discours d'aujourd'hui consiste à vous parler de la ville de Moutsamoudou. Il est composé de trois points. Le premier point consiste à la création de la ville de Moutsamoudou. Le deuxième point consiste à vous parler de la ville de Moutsamoudou, capitale de l'île d'Anjouan, une des îles paradisiaques baignées de culture islamique. Je vais commencer par la ville de Moutsamoudou, le premier point. La ville de Moutsamoudou a été créée en 1482 après Jésus-Christ à la fin du règne du sultan Mohammed bin Sultan Hassan, deuxième sultan d'Anjouan de la dynastie Al-Madwa et premier sultan d'Anjouan de Mayotte et de Mawili, qui a régné après son père depuis 1440 à 1482, dont son tombeau se trouve à Domoni. Pourquoi cette ville est appelée Moutsamoudou? Tout simplement, c'est que le sultan Mohammed était si riche et si puissant qu'il s'appelait Mshinra le vainqueur. Il avait à son service un grand garçon vif et intelligent nommé Moutsamoudou, c'est-à-dire Moussa le Noir. Ce dernier avait la responsabilité du troupeau de bœufs de son maître, car il était le premier bouvier du sultan et il exerçait d'ordinaire son activité dans le palais de Basra, actuellement plein Douani, puisque la ville Douani était appelée Basra. Sous le contrôle du gouverneur de cette ville, dont la fondation, c'est-à-dire la fondation de Wani, remonte à 1276 après Jésus-Christ,
date de la construction du deuxième palais en pierre d'Anjouan dans cette ville ensevelie par la mer, sachant que le premier palais en pierre de l'île d'Anjouan a été construit à Domoni en 1274 après Jésus-Christ par Fani Othman Kalichitoupi, l'un des Fani les plus célèbres d'Anjouan. Or, voici qu'un jour, notre bouvier s'aperçut qu'un des bœufs dont il avait la garde manquait au troupeau. Aussitôt, il se mit à la recherche de la bête après avoir confié les autres à son aide. Il marcha des heures et des heures à travers la forêt avoisinante. Lorsqu'enfin, il découvrit l'animal qui s'était réfugié dans une mosquée. Quelle surprise pour Moussa! Jamais encore il n'avait vu cette mosquée en pleine forêt. C'était une très vieille construction délabrée, abandonnée aux lézards. Très fier de sa découverte, le voici de retour à Bassoua, c'est-à-dire à Wani, à la prairie du sultan. Il avait trouvé le gouverneur de Bassoua et lui raconta son aventure en ajoutant que la région où se trouve cette mosquée serait faite pour établir une ville puisqu'elle est traversée par une jolie rivière. Ce dernier a visité l'endroit avec son entourage. Après une nuit de repos à la belle étoile, notre bouvier et ses courtisans rentrent à Domoni pour faire part au sultan Mchindra de cette découverte. Cette fois, Moussa Moudou est félicité. Moussa Moudou, c'est pas Moussa Moudou, Moussa le Noir, est félicité par le sultan. Ainsi, le sultan Mchindra, ayant lui-même visité la mosquée et ses alentours, la décision fut prise de s'y installer. Ce fut d'abord un petit village qui grossit, jusqu'à devenir la ville que nous connaissons, qui doit son nom au bouvier du sultan, et le temps a transformé Moussa Moudou, Moussa le Noir, en Moussa Moudou. Permettez-moi de vous dire le deuxième point brièvement, à cause de l'heure. L'importance de la ville de Moussa Moudou. Moussa Moudou, avant d'être capitale depuis le XVIe siècle, des navires anglais, français, rarement portugais ou néerlandais, qui se rendaient aux Indes sans toucher les Mascareignes, mais font route par le canal de Mozambique, les Comores constituent une escale facile. Comme Anjouan est la plus fréquentée des quatre îles, Moussa Moudou offrait un mouillage sûr puisque l'eau douce ne manquait et les subrécargues arrivaient aisément à se ravitailler fruits en bœuf, en cabri, en volaille. Au XVIIIe siècle, Moussa Moudou était devenu le centre commercial de l'archipel et du même du canal de Mozambique. Moussa Moudou était devenu l'escale de nombreuses navires européennes. De 1727 à 1735, il faut compter 22 escales. Mademoiselle Bochmès a dénombré pour la période de 1750 à 1788 52 navires paraissent s'être rendu aux Indes par la voie du canal de Mozambique est donc susceptible d'avoir retouché à Moussa Moudou. D'autres navires portugais et néerlandais pouvaient occasionnellement venir mouiller devant Moussa Moudou, contribuant ainsi à l'activité de ce port, surtout de 1720 à 1726. Un voyageur anglais écrivait en 1784 que chaque escale pouvait rapporter 500 ou 600 piastres au trésor des sultans. Moussa Moudou apparaissait comme une ville de dimension certes,
modeste mais florissante et policée, véritable capitale de l'archipel, un rôle que les hasards de l'histoire coloniale puis de l'histoire nationale devaient pourtant lui refuser. L'écrivain Amir Shakib Arsalan dit dans son livre intitulé « Hadirul Alam al-Islami », le présent du monde islamique, et depuis le 16e, le 17e siècle, Jésus-Christ, les enjoinés, c'est-à-dire les gens de Moutsamoutou, emportaient les marchandises de Madagascar et de la côte est d'Afrique au golfe Persique et à Mascate. L'apparition parmi les merveilles de Moutsamoutou, l'apparition d'une savante lettrée, la Sharif nommée Karima Aïcha, fils de Ankir, fils d'Abdallah Jamaloulay. Née aux années 1600 à Moutsamoutou, la pieuse, la savante lettrée Asseyd Karima Aïcha, fille de Ankir, Ankir ibn Abdallah Tuyour, il est né à Moutsamoutou. Tandis que Ahmed ibn Abdallah Tuyour, il est né à Ikoni, c'est lui qui a donné toutes les descendances de la Grande Comore. Donc, la Grande Comore et à Moutsamoutou, c'est la même chose. Il ne faut pas séparer les Comores. C'est elle qui construit la grande mosquée de vendredi de Moutsamoutou et le minaret en 1700 à 1670 de l'ère chrétienne en utilisant la totalité de sa dot dans la réalisation de cette œuvre noble et majestueuse. Le minaret porte toujours son nom jusqu'à nos jours et reste célèbre avec l'appellation de minaret de la vie de Ankil. La grandeur de cette œuvre est une des plus belles d'Anjouan et le minaret cylindrique d'une hauteur rarement atteinte par les architectes locaux, jamais introuvable aux Comores et dans l'océan Indien, reste une fierté aux Anjouanais. Ce minaret qui domine la ville de Moutsamoutou était utilisé comme amer. Le tombeau de cette illustre savante lettrée est à côté de celui de son père et de son frère Hussein, qui a donné naissance à Hassan, ainsi de suite. La descendance de Ankir se trouve à Moroni, c'est Hashim, etc. Sayyid Majdi et toute la famille de Sayyid Majdi qui est à Moroni. Moroni et à Moutsamoutou, c'est la même chose. Anjouan et la Grande Comore, c'est le même pays. Pas de Koutouz. Et son frère Hussein, dont sa descendance à Missamidi et aux îles et aux trois îles des Comores. Ce tombeau est dans la cour de la grande mosquée de vendredi de Moutsamoutou en forme de pyramide. Bon, maintenant nous allons parler du transfert de la capitale de Domoni vers Missamidi en 1782. Après le deuil du sultan Ahmad, dernier sultan de Domoni, d'une durée de 40 jours, dont l'intérim a été assuré par son grand ministre, le doyen de la famille royale, le vieux prince vizir Zubair de la dynastie Al-Madwa, propriétaire du palais dit Taïfa, Domoni. Le vieux prince Zubair abdiqua le pouvoir en faveur d'Abdallah, qui avait marié sa petite fille de son fils aîné et qui était le vizir de Sultan Ahmed à Domoni. Le ministre. À cet effet, la population entière de l'île d'Anjouan réunie et lui intronisa sous le nom d'Abdallah Ier Al-Masili. Ainsi, le vieux prince Zubair devient 40e fani d'Anjouan. 40e fani d'Anjouan, le plus puissant et le plus connu dans l'histoire d'Anjouan. Son tombeau se trouve à côté de la mosquée Saint-Dani de la ville de Domoni. Une fois Abdallah Ier Al-Masili devenu sultan d'Anjouan, il prit la résolution de déplacer la capitale de son siège de Domoni à Missamidi pour plusieurs raisons. Missamidi est une ville qui se distingue comme d'autres parmi les villes côtières des îles Comores par les aspects architecturaux, commerciaux et militaires, etc.
Pour Abdallah Ier, il n'y a absolument pas dans l'histoire des îles des Comores un endroit aussi important que la ville de Moutsamoudou. Par son rôle de protection des côtes et sa force de persuasion contre l'ennemi potentiel, c'est aussi valable pour la protection de la religion de la terre de cette patrie. Aimer de cette patrie, aimer jusqu'au sacrifice et de la sauvegarde de l'honneur de ses sujets. Parmi les réalisations d'Abdallah Ier al-Masili, Abdallah Ier, dès qu'il est devenu sultan d'Anjouan, il a eu la volonté de trouver les solutions qui s'imposent pour arrêter les razzias malgaches dévastatrices des îles Comores. Ainsi, il a réalisé la construction d'une grande muraille autour de Moutsamoudou, achevée en 1787. C'est la construction et la construction de la citadelle sur les hauts de la capitale qui porte toujours le nom de Sa Majesté. La capitale qui porte toujours... D'après le prince Seyd Ahmed Zaki, père de Seyd Kaabi, né en 1870, le grand historien, gouverneur de l'île d'Anjouan pendant 40 ans, décédé le 27 mai 1934 à Moutsamoudou, dans son livre intitulé « Essai sur l'histoire d'Anjouan », nous dit que la réalisation de ce grand monument historique, qui est la citadelle Moutsamoudou, les travaux ont commencé de 1783 jusqu'à 1790, date de l'achèvement de ce monument jamais construit dans les autres îles des Comores, où dans l'océan Indien, dont les ingénieurs étaient des gens de Paté, d'origine omanaise, de la tribu Al-Nabuhan, tribu qui régnait à Oban et à Paté. Maintenant, nous allons parler brièvement de la valeur historique incontestable de la merveille du palais de Lujumbe de Moutsamoudou. Après la création de Moutsamoudou en 1482 après Jésus-Christ, qui coïncide l'année du décès du sultan Mshinra d'Anjouan, l'idée est venue dans la famille royale qui résidait à Domoni de construire un palais à Moutsamoudou qui sert de résidence. Et un bureau pour le gouverneur de cette ville. C'est ainsi que le gendre du sultan Mshinra, qui est devenu régent à Anjouan de 1482 à 1492, après la mort de son beau-père, le charif Alaoui, fils d'Abou Bakar al-Ahdali, premier charif venu à Anjouan, d'une manière spécifique et d'une manière générale aux Comores, en provenance de Paté, de la tribu al-Ahdali, a déposé durant sa régence la première pierre du palais de Lujumbe. Et par sa bénédiction, en tant que descendant du prophète Muhammad, paix soit sur lui, a fait venir de sa patrie Paté, Kenya, des ingénieurs et des architectes d'origine omanaise, de la tribu Al-Namuhan, tribu qui exerçait le pouvoir royal à Paté depuis le XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle pour assurer la construction du palais. Dès que le palais de Lujumbe vient d'être terminé durant le sultanat de Halima Ier, fille du sultan Mshinra, épouse du charif Alaoui, qui a régné de 1492 à 1530 après Jésus-Christ, celle-ci a nommé son frère, le prince Ali, comme premier gouverneur de la ville de Moutsamoudou. Depuis le XVIe siècle, au 2 février 1891, date de la mort du sultan Abdallah III, grand sultan de la dynastie Al-Madwa et dernier sultan de la dynastie Al-Madwa dans son palais de Bambao à Anjouan,
On compte 14 gouverneurs et 3 sultans qui résidaient dans le palais de Lujumbe. Bon. Brièvement, comme les activités du palais de Lujumbe se multipliaient de jour en jour depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, il est devenu un monument historique important qui a joué un rôle international et de méditation. Ainsi se termine mon discours. Je vous remercie. Merci de votre. Merci beaucoup. Nous allons maintenant appeler la première. De ceux qui militent pour le bâtiment de l'école des Morts, Madame la Société Civile, Madame Boyer, pour nous proposer quelques mots afin à ce que la notion des gens puisse être respectée. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتكفوا مهدر يارما الدباليني Monsieur le maire ou le doigt laïki. Alors, je m'excuse, mais je voudrais me parler en comorien pour que tout le monde puisse être au fait, parce que je ne vais pas être long, j'ai juste une synthèse. Monsieur le maire, car si nous vous chelez marab al djumbantoukoufoulini, manam amerawa viravani balnambali, wakarvei la merini, banedago, les collectifs du patrimoine des Comores. Rapport zahanda, zoza harmaldago la holine. Leo utukuza umujuaho watukuza isenderesi ne ikomosini ya javani na wasi pia rajavani rahudhuria harmwechongoi. Monsieur le secrétaire général de l'éducation nationale, je voudrais que le conseiller spécial, excusez-moi, voilà, je voudrais sincèrement remercier le ministère de l'éducation nationale pour vous avoir mandaté pour venir ici. Parce que les ministères qui vont être porteurs de ce dossier, c'est l'éducation et la culture avec le CNDRS. Donc, 3 services qui vont être auprès de l'UNESCO pour faire avancer ces dossiers. Ce dossier dépend de nous tous, comme a dit le directeur. Je voudrais rendre un hommage à mon ami Dr Burhan, qui est parmi l'un des membres fondateurs de le collectif du patrimoine des Comores. Et actuellement, il est à la manette de ce dossier avec le directeur du CNDRS. Donc, nous sommes tous unis dans cette bataille et on va le faire. Watukufu, waboleo si iman mwambieni, na leo tijiviwa, wwelo ba wantumama duwalo wengi. Mana wantumama, wan. Chia nwanyo ntu mama siferechea wanata wa umuju wa mtamudu na wakomori wanti pia maana kavasi mtu atomfanyia nwanyo anamuji wala kavasi wantu atomfanyia wantu mama na ikawa ntu mama kawarenga maisha yao amen bavo tisho naomba tuwalishi betitojo wanawalisha bena mtafadwali mdiriki zintongozini zintongozini zirongo labani na monsieur le directeur mbalini ushabaha. Et en août 2005, la première mission ICOMOS a bien eu lieu en 2005. Donc depuis 2005, nous n'avons pas reçu une mission aussi importante. Donc je tiens à féliciter le gouvernement
tous les ministères, le président Ali Imam Azali Assoumani, à qui vous alliez transmettre nos voeux, nos souhaits, que nous voulions être au rendez-vous de l'UNESCO. Je répète mot par mot ce qu'a dit monsieur le directeur de l'Unité Afrique. Des pays ont fait ce dossier en 6 mois. Pourquoi les Comoriens qui travaillent depuis 2004 n'y arriveraient pas? Donc je voudrais qu'on lève ce pari et que nous tous nous allions aller. On y va s'il vous plaît? On y va. Voilà. Donc on a Tony Shroman Changu, Nguyen Bieni, Ambane Vani, Tongozila wa Ubishini. Tongozila wa Ubishini wa Nanyangu. Tongozila wa Ubishini. Be kakula ntongo lazim vuke imamu ubele. Na imamu ne gouvernement, na umera wa Tunu, na umera wa Domoni, na umera wa Ikoni, na umera wa Itsanda, na umera wa Moroni, capitale ntukufiat. Ovation s'il vous plaît. Merci à vous. Wamisuma bien ba wa mtiva yidite hadi. Tsese mfanye. Neleje umati. Kava sukuta mambian. Babo, je vais le dire en français. Léo, rakoha d'ici, na watuku fouan. Babo, suma biani, amba, wajen watuku fouani, warongo ambane, rifanyi, malago matuku fiatu, riarengeleze. Wantu do watu oja okunu. Neke wantu oja mbarina malago matuku. Mba wahimoja watu paravanu walale, watu parashahula wale. Islazi mwantu wahija, msuwapishi esteki. Moi piché trobi anadi, moi piché trobi hamaji, moi piché mataba, moi piché zitu, moi eleze. Na tena, moi nye selam na fanya. Mtando loo ifi, ahivinga. Awande kori neva loo ifi, aje, mshe wa haja ipihe. Vani, turismo ni rogolo vani wananyangu, si governama sine fanyao. Ni mwanadam da fanyao. Mwanadam da fanyao. Katito komba, mjena alivibia, 1,000 euro. Na ikajua mba hulu kwa shungo nzuzuri lazima atoja na ikakavu katoja wananyangu wanzuani tumamba usikini ule mehuni na usikini wafde tahao wasi wanzuani matajiri wakomori pia matajiri matajiri hama juba masutukufu matajiri barina neema mwezi ngwarva matalangi langi mwezi ngwarva mkarafu mwezi ngwarva lavani mwezi ngwarva mkadi. Togoso pia zorengwa zibahariwa. Basaba nisikia adresa madame la directrice de la culture, du tourisme. Madame, s'il vous plaît, aidez le pays à se soulever. Les îles ensemble que nous y arriverons. Je vous remercie. Mpromete principi amba watu na wamukie medai. Medai ya ekolumi ya mtangu. Donc medai yo tarifa nye samudi kamuga meze wantu eswale alasiri rangalie nyanguiza maza uzainya afamu la kila shama shakabalisha mtangu jeli mpikuze wanyatu hau kamba ni haziai aifanya kawasi mfatushila ifanya. En deux mots, la mairie va donc lui remettre une médaille de la commune suite à tous les travaux qu'elle a fournis au sein de la commune. Maraba, vous pouvez pas tout m'envoyer. Maraba, monsieur le maire. Je remercie l'assistance. Et nous allons toucher à la fin en faisant appel à nos honorables experts, et en particulier, nous donner de mots, d'impressions pour cet accueil assez chaleureux. À qui l'honneur? Madame. Je suis
Merci beaucoup. Vraiment, nous avons été très touchés par l'accueil très chaleureux ici. Nous sommes vraiment accueillis par l'environnement, par la montagne, par la nature et aussi après par les personnes qui ont façonné cette île. Pour nous, pour moi, que je viens comme représentante d'ICOMOS et pour mon collègue aussi, c'est une représentante de l'UNESCO, c'est un grand honneur d'avoir la possibilité d'être ici avec vous. C'est sera une semaine de rencontres humaines et de rencontres professionnelles, de travail aussi technique. Ça, c'est la chose importante de ce grand famille de l'UNESCO, où on met ensemble la dimension humaine, la dimension professionnelle, la dimension des compétences. Ce type de mission, c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment, c'était la priorité Afrique qui a démarré cette différente façon de travailler ensemble entre ICOMOS et UNESCO. On a toujours de la collaboration, mais ça a été très renforcé. C'est pour nous, c'est un peu expérimental aussi. Alors, vous êtes aussi au laboratoire pour une nouvelle façon, de travailler pour l'UNESCO et toutes les organisations qui travaillent avec eux. Et la collaboration, vraiment, c'est le mot principal. Collaboration, coopération entre tous les acteurs, entre le représentant de la communauté locale, monsieur le maire, le représentant du niveau national, monsieur le conseiller du ministère de l'Éducation, les services de l'État, les directeurs nationaux du centre. Je me suis déjà oublié tous les noms, mais je sais bien qui sont les missions. Le directeur régional, les experts, les professionnels, les compétences qui sont ici, et aussi la société civile, c'était bien représenté. C'est vraiment un motif de félicité pour nous de voir si beaucoup de femmes ici. C'est la force, vraiment, la force... Bon, moi aussi je suis femme, alors la force des femmes pour arriver au résultat, on la connaît. Et c'est vraiment, sera cette semaine un moment de collaboration entre nous et vous, mais comme on a, certainement vous voulez arriver à l'inscription, et c'est très important pour tout le monde, mais c'est important de se souvenir que l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, c'est le début. Donc, c'est une étape, mais c'est le début d'un voyage qui doit continuer. Ce n'est pas l'inscription en soi qui est importante, mais c'est devenir partie d'une famille et de continuer à apporter vraiment la flamme d'un patrimoine qui est un patrimoine pour le futur. On regarde le patrimoine pas avec les yeux du passé, mais c'est un patrimoine qui va être transmis au futur, aux générations futures. Et il a besoin de toutes les forces. On a besoin de les forces de toutes les personnes, de bonne volonté, je veux dire, l'intelligence. L'intelligence et la passion sont des choses qui travaillent très bien ensemble. Et j'espère que cette semaine va être un premier laboratoire entre nous. Il faudra continuer et je suis sûre, parce que j'ai vu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de compétences et je vous remercie pour, vous avez fait une généalogie de cette ville et une présentation très vite mais très vive de l'importance de cette ville et ça c'est exactement dans l'esprit de l'UNESCO, de cueillir l'essence des places. Alors je vous remercie encore. Je veux seulement dire que le chemin, ce n'est pas court, sera long, pas seulement pour l'inscription, mais après. Mais c'est, on ne peut pas perdre la passion, l'enthousiasme et la patience. Il faut la tenir ensemble, passion, compétence et patience. Et maintenant, je veux remercier encore pour l'attention et je veux donner encore le micro à notre maître de cérémonie. Merci.
de donner la parole au représentant du ministère de l'Éducation nationale, son conseiller spécial. Je voudrais, puisque quand il va prendre la parole, je le répartirai à la fois. Je voudrais remercier l'assistance, remercier toutes les associations qui nous ont accompagnés dans la démarche de l'organisation de la Vous allez convenir avec moi que je n'ai pas été saisi pour officier dans de telles circonstances, mais comme les circonstances l'exigent, je vais devoir m'acquitter de cette noble mission qui est celle de procéder à la clôture, bien entendu, de cette assise, ou disons cette séance de haut niveau, je le répète, qui non seulement est honorée par la présence du sommet, mais également par la présence du plus bas, de la partie essentielle qui est en contact direct avec toutes les couches sociales de la société, notamment la mairie de la belle ville d'Anjouan, qui est donc Moutsamoudou. Monsieur le directeur du Centre national de recherche scientifique et de documentation de l'Union des Comores, Monsieur le maire de la ville, de la commune de Moutsamoudou, mesdames et messieurs les représentants des sphères de l'État, aussi bien au niveau insulaire qu'au niveau national, madame, messieurs les missionnaires de l'ICOMOS et l'UNESCO en terre comorienne, messieurs les experts nationaux, messieurs les journalistes, pour la couverture médiatique réussie de cette circonstance, mesdames et messieurs, honorable assistance, en vos rangs, titres, grades et qualités, ici présents, l'honneur mes choix, en pareille circonstance, d'adresser un vibrant hommage, tout d'abord à l'endroit du maire de la commune de Moutsamoudou, pour avoir bien voulu, malgré son agenda chargé, malgré ses préoccupations de nature diverse, voulu non seulement honorer de sa présence cette circonstance, mais également l'abriter dans ses propres locaux et su mobiliser toute cette foule, surtout si significative et si symbolique, parce que les femmes y sont nombreuses. C'est une garantie pour l'État. Et au nom du ministre que j'ai le plaisir de représenter ici, et à mon nom personnel, je vous dis un grand merci. Dans le même élan, permettez-moi, mesdames et messieurs, ici présents, de rendre un vibrant hommage à ces experts nationaux et à ces experts internationaux pour le travail combien il est colossal, combien il est contributif, combien il est essentiel, un travail qui vise à faire des Comores une vitrine, d'accord, de l'histoire, du patrimoine matériel et immatériel, de la culture, de l'art, de la tradition vis-à-vis de l'international. Je voudrais, avant de m'atteler aux propos qui seront les miens, remercier aussi à toutes ces personnes en face de qui nous nous trouvons, parce que les préoccupations sont multiples, surtout en des après-midi, les femmes aux Comores. Ben écoute, elles sont le cœur de toute la famille. Pas comme en Occident, mais les femmes aux Comores, elles sont le cœur de toute la famille, qui ont bien voulu aussi honorer de leur présence cette assise. Moi, je ne peux que vous dire un grand merci. Vous savez, un penseur britannique connu sous le nom de Shakespeare disait, je cite, « Le pire de ne pas réussir est de ne pas essayer. » Un tel projet
demande la participation de tout un chacun. C'est tout un travail d'équipe, d'inclusion, d'implication, qui demande aussi une approche participative. Nous pouvons et nous réussirons, main dans la main, coûte que coûte, vaille que vaille, et ceux qui sont au niveau du sommet, que ceux qui sont au niveau, bien entendu, local, en termes de communauté, en termes de communes ou en termes de mairie. C'est comme ça comment nous pouvons relever le défi du millénaire. Cette richesse dont disposent les Comores, une richesse historique, traditionnelle, coutumière. Nous disposons, bien entendu, de sites touristiques assez importants. L'écotourisme, les Comores, s'ils y mettent beaucoup plus l'accent, pourraient faire de ce pays vraiment un levier, d'accord, de développement par rapport à d'autres pays qui partagent cet espace, cette morpho-géographique et donc l'océan Indien. Il faudra pas prendre les exemples de l'île Maurice, de l'île de la Réunion, l'île Maurice. L'île Maurice. Où est l'île Maurice à l'heure actuelle? Donc, ce sont des exemples qui peuvent nous inspirer. Nous avons une richesse faunistique et floristique incontestable. Nous avons, si vous avez, moi j'ai suivi avec beaucoup plus d'intérêt le discours beaucoup plus technique, beaucoup plus historique. C'est toute une généalogie. Mais franchement, en termes de patrimoine matériel et immatériel, franchement, c'est un discours qui mériterait d'être applaudi. Il a été applaudi, mais je n'ai pas senti. Alors, ovationner le doyen est un devoir, hein, vu ce qu'il nous a présenté. Mais j'aurais aimé aussi exhorter toutes les parties prenantes, tous les responsables ici présents, d'essayer de donner à l'écriture une place prépondérante. Parce que nous avons des jeunes, mais qui méconnaissent notre histoire. Et qu'Izerbo disait, un peuple qui méconnaît son histoire est un peuple sans âme. Un peuple qui méconnaît son histoire est un peuple sans âme. Moi, je pense que l'écriture vaut beaucoup plus l'importance d'être accentuée. Parce que c'est de cette écriture-là que nos jeunes, je vais dire, les futures générations, puissent vraiment s'informer du passage historique, du parcours historique qu'a connu l'Union des Comores. Là-dessus, parce que ça a été dit, bon, moi je ne suis pas là pour un discours technique, écoutez, les techniciens sont là, mais au nom du ministre que je représente ici et à mon nom personnel, je pense que notre engagement de faire des Comores un pays émergent d'ici à l'horizon 2030 demande des ressources humaines performantes, demande aussi documentation et de recherche scientifique a un rôle prépondérant à jouer pour la réalisation effective de ce défi auquel nous tous ici, personne ne le nie, nous donnons beaucoup plus d'énergie pour que ce pays-là soit vraiment un pays vivable, un pays prospère, un pays respecté et respectable, un pays compétitif, un pays combatif vis-à-vis de l'international. Le partenariat, la coopération, la diplomatie, tous ces trois secteurs-là qui sont indispensables, si on comprend bien le fondement de chacun de ces concepts-là, œuvre, travail, accomplissent des œuvres d'arrache-pied pour que le patrimoine mondial, matériel et immatériel, soit vraiment quelque chose d'assez significatif. Mesdames et messieurs, le gouvernement de l'Union des Comores est sous les auspices de ce projet pays lancé par son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, tous ces ministres qui ont reçu de ce président délégation de pouvoir. Les matières sur lesquelles ils sont compétents concourent à la valorisation de la richesse historique, culturelle et traditionnelle. Madame, messieurs les experts, nous serons derrière vous. Nous allons vous accompagner. Pour finir, j'ai été frappé par l'accueil si chaleureux, si particulier, qui nous a été réservé. Dès que nous avons foulé le sol de cette belle île, de l'île des Comores, de cette belle terre d'Anjouan, qui est donc la ville de Moutsamoudou. Monsieur le maire, on est très satisfait. Nous partirons avec des souvenirs, avec des moments dignes de mémoire, parce que ces accueils-là, nous n'en bénéficions pas tant. Merci beaucoup et je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le conseiller spécial du ministère de l'Éducation nationale. On a fait dans nous arrivons vraiment à la fin de ce service. Si monsieur Daniel Saint-Bon, il a été dit ici que ces démarches engagées par l'UNESCO, c'est comme un laboratoire. Un laboratoire pour la réalisation de la priorité Afrique engagée par l'UNESCO. Et au côté du laboratoire, nous n'avons que des universités. Et pour clore à la cérémonie, je vais inviter le chef de l'université, le président de la ville de Paty, ici présent, de nous donner la fatha pour clore la cérémonie. Je vous remercie. Merci beaucoup. حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا مع رحب قلوبنا وأبداننا والسلامة العافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا واطمس على وجوه أعدائنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ربما ولا ناصر إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.